Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un plat épicé nappé d'une sauce onctueuse. Le poulet à la crème et champignons mêle différentes textures et saveurs. Une recette simple mais efficace qui plaît à tous. Sans trop parler, je vous laisse découvrir la préparation. Faites rissoler les cuisses de poulet avec un bon filet d'huile d'olive pendant 5 minutes, puis ajoutez l'oignon émincé, l'ail ciselé, mélangez le tout et faites revenir jusqu'à ce que les oignons soient translucides encore 5 minutes. Ajoutez les champignons frais, lavés et nettoyés. Arrosez le tout de votre bouillon de volaille dilué dans de l'eau au préalable et laissez cuire à couvert pendant 20 minutes. Assaisonnez d'une cuillère à café de chaque sel, poivre, gingembre et une petite pincée de noix de muscade en poudre, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Dans un bol à part, mélangez la crème et la maïzena et mélangez bien la sauce à l'aide d'un fouet pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Ajoutez-y votre sauce crème maïzena dans la marmite et laissez mijoter environ 15 minutes, le temps que la sauce devienne bien onctueuse. Servez votre plat avec des pommes de terre cuites à la vapeur au préalable, salées et arrosez-les d'huile d'olive. Saupoudrez votre plat de quelques feuilles de persil et dégustez. Voilà donc la présentation finale de mon plat poulet à la crème et champignons. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Tasty Gourmandise et sur mon propre site www.tastygourmandise.com. Voilà donc, je n'ai qu'à vous souhaiter bon appétit et à très bientôt, j'espère.